et ça pral tande a c'est exactement ça lié a donc c'est pas nous deal et nous pral inviter au confirmer en dans vidéo ça mardi 29 novembre 2022 bonjour bonsoir tout le monde et si vous à peine connecté pas jamais oublier ou connecté sur tvlacaihaiti.com et nous content avec vous jodi en là donc pour nous porter vidéo ça pour nous continuer informer et c'est travail nous c'est job nous ça c'est ça que nous même nous fait c'est informer peuple haïtien c'est porter tout en détail pour vous sous et bien toute actualité Haïti à Kres Modlan pas hésiter taper tvlacaihaiti.com et puis restez là. Mesdames et messieurs, nous connaissons Sarah Hélène George qui s'est petite fille maître Renold George qui lui-même victime en bas coup de balle hier pendant qu'elle sorti dans l'académie police là et bien selon maître Renold George et c'est un groupe Udmo qui a même pété balle sous petite li et c'est bon pied Sarah qui sauve elle et bien les comme ça Sarah tape gétant a glacé dans morgan mais c'est bonne chance pour Sarah li te gétant et bien retire col en bas coup de balle Udmo Sayo selon maître Renold George et nous pral inviter un gain détail en dans vidéo ça dossier Saint-Domingue dossier sanction que international la prend contre divers gros palto gros autobre dans pays d'Haïti et n'a dit dans moment n'a parlé là et bien tout en détail yo tombé tout prévu déjà dans mes FBI pral entrer vin commencer marrer et en pile gros palto ancien président ancien premier ministre ancien député qui ont même impliqué dans financer gang dans financer volo dans pays ça mesdames et messieurs et bien nous pral inviter au gain détail nous pral porter tout un dossier pour vous nous gain tout ancien sénateur Patrice Dumont est-ce que c'est ancien sénateur bon sénateur Patrice Dumont qui lui-même est sous dossier c'est maintenant sous dossier maltraitement que autorité dominicaine yo a bay haïtien compatriote nou yo frère action nou en république dominicaine et bien Patrice Dumont monsieur frappé fort et monsieur fait gros déclaration là et nous déjà connaît pays d'Haïti pas gain gouvernement pas gain l'état sinon ça nous frère action nou a passé en république dominicaine Ariel Taguet en parler Ariel Taguet prend responsabilité mais c'est bien dommage nous sont pas quête mouton sans gardeur nous lagué dans pays a nous lagué dans monde là mais nous pas gagne autorité la caï nous cap voyez sur nous en tout cas Patrice Dumont monsieur mettez causer dehors que nous pral inviter autant de là bonne écoute tout le monde n'a tourné et est-ce qu'on mon moral là OK matin mon téléphone moi et moi dans province et matin rentré et puis là m'attend de nouvelles hier soir et puis me relé maître non Georges ce matin madame monsieur maître non Georges était en sanglots. Oui. Et jusqu'à minuit, nous avons parlé à madame, monsieur, maître non Georges, inconsolable. Et nous avons parlé avec maître non Georges, il dit le gros désir. C'est quelques policiers de Moïse qui manquent de kidnapper petite fille. Oh. Ça dit là. Les petites maître non Georges, la Sarah Georges, sont dans l'académie. Hein? Eh bien, là, le pantan sous en patrouille de policiers Udmo. L'aile campé, il frappe machine dans le campé. Et puis, pas campé, selon les dires de maître René Georges. Et puis, l'aile là, il fait camper, il descend vite, il y a des armes sous lui, et puis, ouh, il fait des coups, et puis, balle. Mm-hmm. Donc, son année qui était très difficile pour maître René Georges. Et sur la route de frère, nous sommes capables de connaître, ce n'est pas dernier et pas premier tentative de kidnapping qui fait sur le frère. Il y a pile de kidnapping qui fait sur le frère, et il y a pile de monde qui sauve de justesse de tentative de kidnapping, madame, de kidnapping sur la route de frère. Maintenant, c'est là pour nous. Hein? Qui est bon académie pour la route de frère? Qui est-ce que j'aime prendre comme disposition okay, pour assurer que les gens qui habite ou frère, résident ou frère, puis pas victime de ça. Qui travaille de renseignement qui fait du côté de la police pour qu'on ait là au fin qui d'a permis de son frère, qui boit la veille, qui cache qui gagne. L'aime pas la mettre George Matéen, dis-moi le coup. Il pas capable de payer encore. Et puis il tombe crié, frère. Il fait peur du madame ni.
qu'on a mis ces petits les tabac petit dans condition ça. Avant pas trop longtemps, lui même tout des victimes dont tentative de d'assassinat dans zone navel là pendant le tabac ranger machine ni. Donc mais situation pays madame monsieur. Oui, mais nos situations connait que bandi installé des caméras dans toute ville là. Bah la police pas gagné non. Bah le ministère intérieur pas gagné non. Madame monsieur. Le bandit a dit que ça c'est territoire pas, c'est territoire pas vrai. Je dis à des bouts qui te pétion, vous l'avez descendre, des bouts apprennent, ou fin qui te juvena, ou commencez à descendre, des bouts commencez à pointer de masse maintenant à tout. Ni tu l'as pris, ni ils ont gagné contre lui. Contre lui, yeah. Mais ça peut y aller, madame, monsieur. En tout cas. Même pas c'est autrement, il y a gagné contre lui, quel que soit contre lui. Oui, mais à partir des antennes, mais. Oui, mais territoire qui est territoire par où vraiment. Ouais. Comme si là, vous connaissez exactement ce qui a passé sur ce territoire. Alors, j'ai eu une information qui te dit que depuis ce port arrivé dans le village, là, n'est-ce pas, vous avez une caméra. Encore une caméra, son problème. Écoutez, ouais, Esaü, pendant deux fois, il te dit, Esaü, mais nous, te qu'on dit longtemps, il peut être arrivé dans l'état, ça, pays, grande série. Nous te qu'on dit ça. Donc, soit admettre pays à gangsterisé, ça lui dit que Mounio et les gangs, ils ne sont pas tout. Ils ne sont pas tout net. Ils sont un wonder market. Ils ne sont pas tout. Mais ils sont là. Donc, dernier gros sorti, maître Noël, je le fais, c'est ce matin débat. Ouais, ce matin débat. Vendredi avec lundi. Ok, bon, on allait. Jeudi, c'est jour mardi. Nous connaissons que le mardi, nous avons Tijan. Parce que pour une kinakala, nous allons permettre que Esaü lui-même fait contact à Tijan pour nous connaître ce qui a passé dans le pays. Donc, ce matin, ça va passer peut-être dans les jours à venir. Ok. Haïti politique, nous avons deux points qui ont traité ensemble. Haïti politique, dossier sanctions. La démarche du Canada et des États-Unis d'Amérique est de mettre sous sanctions certaines personnalités de la classe politique en Haïti. N'est-elle pas démagogique ou tout simplement pour créer une diversion sur les vrais problèmes d'Haïti? On a traité là avec le point qui dit Haïti politique. Le Premier ministre Ariel Henry passera-t-il le cap du 7 février 2023? Et jeudi mardi 29 novembre 2022, si Gomouna qui a le contrôle de la situation, il est docteur Ariel Henry. Bon, je vous annonce sur ça. On va annoncer tout le monde qu'a peut de matin débat jeudi à. Je suis tellement content. Il dit faut des bons bières à cause de l'eau qui paraît là. Merci donc, mon frère. Bière a fait neige. Il n'a même pas. On est des brutes ici. Où qu'a dit tout sauvé? Où qu'a dit tout sauvé? Si Ariel Henry était perdu en contrôle, jeudi à lui reprend contrôle situation. Peut-être un niveau de pourcentage. Très élevé. Il ne doit pas à 100%. Mais je dis à Henri, on prend contrôle de la situation. Je vais vous dire pourquoi. Et je dis à moi que nous-mêmes qui avons fait politique dans le pays d'Haïti, jeunes garçons, jeunes femmes qui ont appelé pour faire politique dans le pays, responsables d'organisation et de base, leaders politiques, manifestations, pays loc, pas voyer président aller encore dans le pays d'Haïti. Nous souhaitons exemple avec le président Jovenel Moïse, je vais mettre dans tout. Oui, oui, oui. Jovenel Moïse qui prend pays loc en plusieurs fois dans le pays. Ya. Et si on peut assassiner le président Jovenel Moïse, pas quelqu'un qui dit le peut-être là encore, parce qu'il t'a dit je suis le dernier président de la République. Claire. Alors de la transition. De la transition. Donc il était considéré PIA avec lui son transition. Correct, son transition. Nous t'es tracé avec un langue rouge. Correct, parole ça. Correct. Donc pas rien qui dit que Jovenel Moïse, pas d'appeler encore aujourd'hui, hein, parce qu'elle te dit que je suis le dernier président de la transition. Ça veut dire que ça, tout en tant que le pape fait élection pour notre président, il a toujours été au pouvoir. C'est pour nous connaître que la dynamique a changé, madame, monsieur. Et ce qu'on est pour nous connaître, que je dis, Haïti, les nommés États-Unis d'Amérique et le corps groupe, c'est nommé au que lié, je dis. Parce que si Haïti n'est pas nommé international, si manifestation pays, le TGT pouvoir, TGT gouvernement, pas d'abgain docteur Henry encore dans le pays.
Parce que, madame, monsieur, Ariel Henry était fin tombé. C'était fini pour le docteur Ariel Henry. C'est le collègue qui a parlé matin. Il y a des gens qui ont parlé, mais ils ont dit le collègue, au samedi, ils ne sont pas hier. Est-ce que tout Jovenel Moïse, alors qu'ils ont capable d'être bizarre et puis doux lui, allez-y. Est-ce que Jovenel Moïse, tout pas dernier président d'Haïti? Nous t'as dit, c'est un peu de débat. En tout cas. Sur son accident. Ici, on aime se débat, nous t'as dit déjà ici. Pas étonné pour nous que Haïti pas jamais tourner dans la question de président encore. Nous t'as dit, c'est un peu de débat. Plusieurs fois. Et bien, information que nous avons, non? C'est la capacité de recul, nous. Analyse que nous avons fait, j'en ai regardé la situation. J'ai parlé là, même si que l'international là, je dis, a fait, en fait, les Américains fait, aujourd'hui sont Haïti. Nous ne pouvons pas jamais tourner, non, question de régime présidentiel, non, question de présidence, d'un président. Ou question premier ministre, son seul monde, je dis, qui seul coq chante dans le pays, nous avons arrêté la donne pour longtemps. Qu'est-ce que nous avons encore? Est-ce que nous avons que nos paroles nous parlent pour nous entendre qui ne parlent pas encore dans le pays? Attendez bien. Mes amis. Nos paroles nous parlent pour nous entendre encore qui ne parlent encore dans le pays. Question, permettez à toutes. Chaque département est un gouverneur. Soyez déballés, nous sommes déballés. Non, simplement, Ritio, sous le système français. Je vois ce système américain. Pas même ça, non, bien matin. Pas oublier si une émission matin débat, mais t'es toujours posé question. Qui ça, Dr. Henry Bayblan, yo? Qui fait que Blanc était attaché à Ariel Henry? Malgré Jean Lié. Malgré Jean Lié. Mais que Gendé Blanc, que l'a perdu dans le moment. Parce qu'il y a un plan sur Haïti. Un plan pour Haïti. Bon plan pour mettre Haïti sous protectorat. Nous songez, nous faisons plusieurs émissions déjà. Une émission matin débat sous question protectorat. Nous songez ça? Eh bien, le plan est là. Il faut mettre Haïti sous protectorat. Elle dit son pays qu'une paix du net. Nous, dans le Canada, dit que pas gagné à faire intervention militaire. Lui seulement est retardé. C'est pour mettre Haïti sous protectorat. Pour arriver dans nos pays, côté que chaque département, pour le diriger par un gouvernement, il faut que son occupation pour Baoul de force. Et ça qu'a parlé là, madame, monsieur. Et bien, c'est le cas des jeunes. Donc, en fait, je dis, hein, il faut reviser la stratégie. Avec des débats de 100 mètres, comment c'est ah ouais. Cherchons, mettez le body fait. Raison qui fait que, si son gouverneur qui a dirigé un département, ni politique, mais ni plus économique. Pour que ça permette la doute. Richesse, chaque département va le servir à département. Oui, ça, non, monsieur. Et puis, chaque richesse, chaque département gagne tout. Ou capable de dire avec séparément. Ou pas besoin. Ils pas besoin d'aval parlement. Aval parler avec, oui, aval parlement, de tous côtés. Ils pas besoin d'aval comme si l'État central, ou pas besoin d'aval président de la République, ou pas besoin d'aval le Parlement. Depuis qu'on gouvernement par département, gouverneur,
capable de décider pour le département pour le vendre sa campagne. La plus facile pour passer par le gouverneur, qui signe les papiers, comme yo même yo indépendant dans le département, yo qui a décidé ça pour le département. C'est plus économique. C'est où on a qui gagne. Elle dit, dès qu'on décide, blanc on décide de gagner, on est un haïtien. Comme constitution qu'il a, il n'y a pas de droit pour qu'un étranger qui est dans le pays. Comme constitution qu'il a, il n'y a pas de droit pour qu'un étranger vienne exploiter dans la terre sans que le Parlement pas pour elle. Maintenant, il faut nous caser la net pour nous diviser le pays. Il faut payer ça caser. Il faut nous diviser. Le chaque département qu'on gouverneur, gouverneur lui-même peut-être pas qu'on n'a pas prendre décision pour le département. Ok? Et le SAA, toute décision qui a rapport avec l'exploitation de mines qui est dans le département, tout ça va passer sans problème. Alors bien que et vous pouvez jouer, attendez, vous pouvez jouer dans les jours à venir, vous pouvez jouer des nègres, des conseils. Vous pouvez jouer des conseils, des apatrides. Veillez les gens qui vont parler sous question pour chaque département qu'on gouverneur. Veillez les gens qui vont parler dans la radio et la télévision pour faire promotion pour chaque département qu'on gouverneur. Veillez les gens. Veillez. Et vous pouvez attendre qu'on débarque par fait. Tout côté n'est pas. Ah, il faut qu'on gouverneur chaque côté. Gouverneur chaque côté. Veillez les gens. Veillez. Parce que faut gars on en est ici. Quelqu'un doit pas comprendre mais la passé, la passé. Comment nous madame monsieur. Nous on dit que je dis hein. Elle en rue au devient en fait le seul maître de la situation. Bon, Melvin je non moi on moi là à côté haïtien à pomper dans coupe du monde encore. OK. Et tout ça que tu as fait en Argentine ou en Brésil. Tout ça que tu as fait madame monsieur la question de liste sanction par ça jusqu'à ce que et c'est le collègue qui a parlé matin. Et le Gaudesi qui a parlé matin. Jusqu'à ce que États-Unis d'Amérique, le Canada, pas montré clairement, avec des preuves, que Mounsayo, il y a une question de drogue, il y a une question de corruption, il y a une question de tout le monde, nous-mêmes nous prenons pour diversion. Vous d'accord, mes matins? Ah, c'est fini, c'est clair. C'est clair. Non, mais c'est clair. Kimbe, si le Kimbe, non, mais c'est tout. S'il continue à supporter Ariel Henry, tout ça, ça montre qu'il va sur. Oui, mais si on a plus loin. Madame, monsieur, tenez bien, oui. Question sanction que États-Unis et Canada mettent sur les citoyens en Haïti, jusqu'à ce que la décision juridique qui prend la CAIO, savoir, mander au gouvernement haïtien en Haïti, autorisation, pour venir arrêter Mounsayo en Haïti, sous base de preuves que vous avez, d'accord? Jusqu'à ce que ça vous fait, nous-mêmes nous prenons pour une diversion. Ou pas, ouais, c'est pendant question sanction à parler dans la radio. Et puis le gouvernement prend de gros décisions dans le pays. Si tu as des sanctions vraiment réelles qui décident à son bagage, côté non, Grenegui a financé gang dans le pays, côté yo. Côté Milatio. On oui, mais tu dis que tu as une liste derrière toujours. Et l'ambassade du Canada dit, alors, l'autorité canadienne nous dit, pas de question de l'autre liste encore. Ok. Yo, pas de problème. Madame, monsieur, comme si le pays a pas connu, tout le pays a pas connu qui a financé gang dans le pays. Comme si je dis à madame monsieur, qui est dans le secteur privé, paye pas qu'on est comme ça, financé gang. Qui est dans le secteur privé, madame monsieur, qui est business sur des zones chaudes, des zones rouges, qui va jamais fermer, qui va jamais camper, comme si paye pas qu'on est comme ça, financé gang. Agent de développement. Oui. Pour qui ça, nous, là, pendant les secondes, c'est un peu doucement démagogique. Parce que si on parle de financer gang, si on parle de monde qui est dans gang, tout paye qu'on est déjà. Moun ki na fè trafik jam pe a konnen yo. Kote non moun sa yo, ou jam tande non moun sa site. Parce que même yo gen lobby nan Congrès américain. Kote on se famille. Lobby madame monsieur. Kote on se famille. OK, yo gen lobby madame monsieur donc le gouvernement Trudeau. Et pas là, y a dénoncé une certaine majorité Michel qui c'est chef cabinet. Par contre si c'est pas vrai, mais gen Paul qui a parlé. Ça dit que jusqu'à ce que Canada, États-Unis d'Amérique pas venir avec des preuves claires également. Comment son procédure juridique pour traîner Mounsayo par devant la justice et en Haïti et aux États-Unis et au Canada, nous-mêmes nous prenons nos diversions. C'est sûr,
Vous mettez des gros accusations sur le dos, mon Dieu. Alors que bien lieu toujours. Eh, mon cher. Non, mais madame. Non seulement bien lieu, et montez des sangs. Montez des sangs à faire. Et vous êtes là quand vous la vivez tout. Non, mais vous reprenez. L'on peut être un président Matéli. C'est là le dé en Haïti, là. Les sanctions. Les balles à alors, à la veille des sanctions, il est venu. Il est venu, oui. Il fait un. Il fait un jour, deux jours. Bien, okay. Après ça, le tourne. Il est venu là, et après ça, il est entré aux États-Unis. Bon, où est-ce que les sanctions contre le président Matéli? Eh bien, tout pour obtenir la voie, Matéli est venu. Nous classons ça, oui. Nous classons ça et pays attend le président Matéli comme moun qui a financé gang dans le pays. Vine avec Pevio, traîner Matéli dans la justice. Pays attend, il n'y a pas de bravo pour ne pas battre là. Même Jacques Laurent Lamotte. Regardez mon frère. Oui. Moi, je suis une femme qui a été payée comme si je me disais, mais je suis sous le domaine. Il n'y a pas de monde qui a battu bravo. Parce que sous papier, je dis sous papier. Pays attend que le président Matéli dans la gang, Lamotte dans la gang. Et qui est-ce encore? Gaïbodo dans gang. Tout le monde content, tout le monde content, il matin. Jean ici, hein. Tout le monde content, comme si tout le monde bat bravo. Mais quelque part, tout le monde font si bac. La suite. Vous n'avez pas fait le fond de bruit. Bon, moi, c'est mon moi. L'aime de mon bam. Et c'est bon, on est que. Dans ce qui concerne migration. On considère les problèmes dans ce trois angles. Les groupes dominicains lui-même. Le monde international, et particulièrement l'OEA, particulièrement États-Unis, Canada, Mexique, comme pays qui a plus force dans la zone, là. Évidemment, Cuba là-dedans. Et puis, moi, considérer le problème là sous nous-mêmes, en tant que peuple, nous-mêmes, en tant qu'État. On va dire, c'est que la République dominicaine mettait problème que le gain en dans la société là, en dans l'État là, il mettait au niveau international. Comme de fait, c'est un problème international. C'était un problème international. Il y a fait racisme, problème racisme. Il traversait le monde entier, ou bien droit, ou même comme citoyen, ou même comme peuple, ou même comme l'État, dénoncer et agir. Contre phénomène racisme. Que un monde en privé, dans la caille, dans le salon, dans le club, il invite mon livre, il parle avec bienveillance, avec mon livre, le cadre privé, ça c'est pas évident. Mais depuis la sphère publique là, il concerne tout le monde. C'est peut-être ça, par exemple. Léo Tétué George Floyd, là, moi-même, comme sénateur haïtien, moi j'ai réagi, moi j'ai écrit Sénat américain. Et nous voyons tout que le gouvernement américain, l'État américain, à travers justice, les jugés policiers qui tuaient George Floyd, là. Et ils n'ont pas capable de faire un bagage qui compte, ils n'ont pas capable d'agir. Contre sanction la justice là. Dans le cas dominicain, haïtien, donc puisque son problème qui transversal, qui transnational, pas transversal, mais transnational, Haïti a un droit, a un devoir pour le dénoncer et pour l'agir contre. Deuxième bagaille qui est international, c'est le problème de l'immigration. Ça gagne entre nous-mêmes, HCR, qui occupait de ça au niveau. Et international, affaire l'ONU. Eh bien, c'est lui-même qui existait tout entre Sénégal et la Mauritanie, par exemple. C'est lui-même qui existait entre les États-Unis et le Mexique. C'est lui-même qui existait entre toute l'Europe et à travers l'Italie, côté migrants et au passé plus. Et l'Afrique subsaharienne en particulier. Et même l'Afrique maghrébine, Tunisie, Maroc, Égypte, Algérie. Donc, c'est un problème international. Gagner une loi internationale sur ça, Haïti a pour devoir pour utiliser le levier sérieux pour que question racisme, question maltraitance des migrants ou des émigrés haïtiens pour y traiter à un niveau sérieux, ça a coûté.
Et tant que société, nous pas fait rien. L'État lui-même, l'Ichita sous ça, l'Ilagé, c'est vraiment entre libre, Haïti n'a pas existé. C'est un comptadou là, c'est avion qui vient monter là, après ça. Li prend vitesse de croisière, li ou pas besoin de peser en yon, ou pas besoin de peser bouton, la machine. Donc, l'État haïtien la gué en non bagaille de Jean, l'autre monsieur Pierre Stécaroté, dit là, il continue de dire sans doute, qui te paye le marché. Mais qui te paye le marché, c'est non, pas fait en yon. Jean le pas bon, qui te le pas bon, Jean lié à, et puis nous-mêmes, qui jouons tout bagaille, qui organise le pays pour que désordre total, mais au profit de tout petit groupe, et que nous continuons. Donc, face à la question, ça, le regard est que les États-Unis, le Canada, qui aujourd'hui a semblé gagner un gros intérêt pour Haïti, question ça, il ne va pas garder le constat. Et Haïti a lui-même, moi, quoi, nous devons mener le pays à considérer l'Union conférence internationale sous situation Haïti et République dominicaine au regard de la question de la migration et des travailleurs haïtiens en République dominicaine. Ça, c'est le premier bagage que j'ai dit sur le plan international. Parce qu'il est évident que le gouvernement Abinader, là, comme d'autres, c'est bon bagage qui fait la première fois. Génération qui l'a lu elle plusieurs fois déjà. On pas déportation massive par des personnes monde par des monde qui parlait la matin là qui pas reconnaître droit République dominicaine pour les déporter monde qui pas légal la Cali mais du fait de des conditions infrahumaines c'est une agression à la personne humaine c'est inacceptable donc faut gagner une action internationale nous ouais que République dominicaine, gouvernement Abinader, il n'y a pas de personne. C'est pour nous qui ont force et qui reconnaissent son désordre, les États-Unis reconnaissent son désordre, eh bien, ils ont forcé. Moi, je dis bien, forcé. Respecter la loi, respecter le droit haïtien. Maintenant, donc, aux conférences internationales, c'est utile le monde entier sous question ça. Et pour nous montrer, Jean Abinader, pas l'étendue de personne, parce que, lui, quoi, l'INA est en situation d'impunité, l'a bénéficié de l'impunité, et impunité à ce niveau international lié. Parce que Haïti, lui-même, pas voulu faire rien. Gouvernement haïtien n'a pas retourné sous lui tout à l'heure. Mais, maintenant, on preuve. Il y en a 1000 preuves. Depuis 23 août, qui se passait là, Clergé d'Abon te fait sortir une note que la presse dominicaine te connaît, et particulièrement le monde qui sous frontière te connaît. Clergé d'Abon, lui te fait les propositions pour nous montrer que c'est lui-même qui dit, et tout le monde connaît déjà, que travailleurs haïtiens, c'est eux-mêmes qui font agriculture, c'est eux-mêmes qui font construction, c'est eux-mêmes qui font tourisme, c'est eux-mêmes qui travaillent la terre, et c'est eux-mêmes, donc, de l'agriculture, mais quand ils privés, monde qui a fait servante, monde qui a fait nettoyer, c'est haïtien dans les familles dominicaines. Donc, ensuite, la question, avant de dire donc là, la question de commerce. Mais nous avons un rapport de 99.1. Ça veut dire que les républiques dominicaines vendent nous 99 goudes pour 99 goudes ou même pour 99 pesos. Nous-mêmes, c'est pour 1 goudes nous vendons. Donc, nous pas qu'à faut qu'on ait à fond continuer pour nous faire tout ça. Si nous gagnons, tout le monde sait, il y a déporté, mais gagner, il n'y a pas déporté parce que c'est haïtien qui travaille dans la construction. C'est haïtien qui travaille dans l'agriculture.
nous gagnons, souvler rapport commercial ça, qui n'a avantage net. Un bon moment, mes amis, tout gouvernement, songez, c'est Haïti lié, pour lui, carrément travail, au moins, avant ces questions ça, de représailles commerciales. Moi, tout de, voilà, météo, qui était fermé, frontière là, eux-mêmes. Alors que, quand on prend le Sénégal avec Mauritanie, je prends l'exemple ça tout à l'heure là. Un pêcheur mauritanien, yo, en 2018, un pêcheur que Mauritanien, un pêcheur sénégalais, Mauritanien a tué. Mais, même moment, c'est une assemblée générale, c'est tout le monde, toutes affaires se sont. Il faut que ça régler. Parce que tu as déjà gagné un conflit entre Sénégal et Mauritanie. Macky Sall, rapidement, mandait à la demande du gouvernement et mauritanien. Et puis il traversait, il a discuté. Vous comprenez. Ariel Henry, il doit lui-même sentir pitié pour engager le dialogue là avec Abinader. Moi, je vais être clair sur ça. Je ne vais pas parler de la personne d'Ariel Henry. Je vais me sentir pitié. Le premier ministre que lui a, il doit sentir pitié. Et bien, mais on va parler chaque jour avec le gouvernement américain. On va parler chaque jour avec le gouvernement canadien. Mais faites quelque chose. Kounia, nous-mêmes, songez-vous, M. Ferdinand, question, qui regarde, moi, prends République dominicaine, Kounia, moi, prends international, là, et puis pour nous-mêmes. Moi, sorti au moins 5 notes sous mal, en tant que sénateur, sous maltraitance, policiers haïtiens a fait, moun yo arrêté, que moun ne sont zinglendo, que moun ne sont gangsters, que moun ne sont bandits, que moun ne sont moun qui fait en infraction, et nous t'a dit ordinaire. Nous battons moun yo. Nous crasons yo. Nous brisons yo. Laissez bandits même pas parler bagay ça. Jean yo maltraité moun. Moun boule moun. Moun boule. Gen yon songe, en particulier, yon bandit au kay. Yon pren li, yon boule sou moun. Yon krasé figil. Oui, yon fait. Oui, c'est bandit lié. Mais est-ce que nous gen doit faire ça? Oui, c'est prisonnier ou yé, la pénitentiaire nationale. Grand Tigouave. L'autre jour, c'est un groupe politique social qui organise un manger pour porter les prisonniers Tigouave. C'est pas joint de manger. L'autre jour, c'est un petit homme. Et c'est tout à fait porter manger pour prisonniers dans la pénitentiaire nationale. Moun qui policiers qui travaillent côté prisonnier, ils croient que son devoir, et pas même mon droit, non, que son devoir de gagner pour humilier les gens qui prisonniers. L'autre jour, moi, ouais, le Dominicain qui marie un haïtien, ils ont immobilisé la terre, ils ont pris une roche, ils ont crasé douette li. Dernier sac sorti, hein. C'est des bagages nous documenter pour le gouvernement haïtien faire montrer tout le monde. C'est monsieur yo, c'est la monsieur yo, yo, yo même comme sénateur de la République qui ça a opposé comme action à niveau PAO. Oui. En 2021, mai 2021. C'est en tant que sénateur de la République. Des lourds à c'est en tant que sénateur de la République, m'a pas la voix là. Moi fais un voyage planifié pour me rencontrer avec responsable, premier responsable, question haïtiano-dominicaine. Qui recevoir moi dans le ministère des Affaires étrangères. De même que secrétaire d'État au sport et d'autres personnalités dominicaines. Sous question, rivière Massacla ou songer. L'autre jour, moi-même et deux autres haïtiens, Leslie Voltaire
invité Monseigneur Dumas nous participer dans une émission qui était faite en République dominicaine pour nous défendre la cause haïtienne. Moins bien expliqué que la question de la défense de la population, la question de la défense du territoire, c'est en exclusivité exécutive. Il se trouve que Gonègue, qui est bon gouvernement, qui est le gouvernement Ariel Henry, moi-même, s'il ne s'agissait que de moi et de moi seul, c'est pas une bonne question personnelle qu'a réglé là. Il y a longtemps que tu as gagné un gouvernement véritablement de consensus national. Donc, moi dit, en tant que sénateur toujours, moi t'ai dit ça, et moi dit le pour vous, pour capable bien entendre, bien comprendre. Haïti doit reconnaître que le gouvernement haïtien qui l'a, c'est Kounia pour le faire. Hic et non. C'est pas l'autre monde qui voulait que lui les à Comontana, que lui les l'autre, qui voulait assurer, réassumer responsabilité pour gagner un gouvernement de transition réel, eh bien, il n'y a pas arrivé à faire. Parce que, à quel moment il y a force, c'est force internationale qui est là. Qui fait que lui là, et puis, et rien ne peut se faire. Donc, nous dit, sur le plan local, il faut nous reconnaître. Nous ne sommes pas capables d'être en droit pour ne pas respecter la personne humaine. Ça veut dire que pour que ces gens qui travaillent là, nous, que ces gens nous arrêtent, nous faisons ça, nous plutôt avec eux, nous baillons au calotte, nous crasons et puis laissez Dominicain, on dirait que nous pas d'accord. Moi, répéter encore, les droits de la personne humaine, c'est tout le monde net pour qu'il respecte. Donc, je vous dis, hein, plus que hier, il faut que nous reconnaissions, et ces dernières considérations m'ont fait, que nous ne sommes pas capables de régler les questions dominicaines par à coup. Donc, comme on a dit là, les Dominicains ont frappé, ils ont tué, ils ont massacré, et puis, bon, nous songez ça, et puis, bon, levé campé que ça. Levé campé à lui, forcément, et me profiter de saluer les groupes politiques et sociaux qui ont fait manifestation jeudi à là, parce qu'effectivement, il faut nous parler pour nous dire. Mais la question est structurelle. Moi, je crois que c'est Mme Alexandre qui te dit l'heure ou de Johnny Ferdinand. La question est structurelle. Nous ne sommes pas capables de prendre seulement sous événement. Il faut nous prendre donc de manière structurelle, ça veut dire institutionnelle. Et accord binational là, il faut que nous activions de manière plus sérieuse. Voilà donc, et regard moins sous question. Gros misère ça que la République dominicaine a passé à fait noir. Alors, on t'a dit un petit détail. Ça gagne entre Haïti et la République dominicaine, non? Lui montrer nous que nous pas gagne l'État, nous pas gagne gouvernement. Comment pour une question aussi sensible sur le plan international, si Abinader pas voulait rencontrer responsable, premier responsable politique haïtien, en l'occurrence, premier ministre Ariel Henry, pour toute raison, je n'ai pas besoin d'imaginer tout, ou pour me dire, mais pour toute sorte de raison, il n'est pas d'accord de rencontrer avec le premier ministre haïtien. Le premier ministre haïtien, ma consulté sur ça, il faut quand même lui songer que c'est le premier ministre haïtien lié. Et que donc, il n'a pas besoin de peur pour poser problème non avec au niveau bilatéral, c'est-à-dire avec chaque gros pays qui voisine nous, et au niveau multilatéral, et dans l'ONU, dans l'OEA et dans CARICOM. Mais pas. Bon, je vais donner un exemple pour vraiment pour me finir sur le premier point ça. Et Haïti, nous ne sommes pas capables de droit nous. Par exemple, même vieille initiative, moi, quand il n'est pas allé, que Jovenel Moïse prend bail de trois mouns, fait yon, soi-disant, fait une constitution, mais son bagay importé, son bagay commandé. Il commandé, c'est pas peuple haïtien commandé. Même vieille initiative ça, lui mettait
la Navaz faisant partie du territoire national. Mais là encore, moi-même, je soulevais la question dans le Sénat. Mais le territoire national doit être défendu par le gouvernement. Et femme pour ce gouvernement, ce qui s'empêche, tant que j'aimerais même, la conversation privée, enfin privée dans le sens où c'est pas, il n'y a pas de bail de radio, une conversation privée avec quel que soit agent américain, y compris l'ambassadeur américain à l'époque, nous toujours appelé aux questions la Navaz là. Mais qui je. Vous pas capable, si vous pas capable de dire au gouvernement étranger que nous avons un petit problème là, à faire la Navaz là, moi je voulais retourner sous lui, parce qu'elle fait partie du territoire national, dans la constitution, moi pas arrivé à gagner le contrôle lui, il y a des documents qui ont un contrôle aucun côté dans le territoire. On va dire oui, mais c'est son bail qui concerne les peuples haïtiens. Et la question de la Navaz là, faut que nous parlions sur ça. Mais c'est pas, on va besoin de faire ça. C'est normal, parce que les pauvres, faut dire pour nous, qu'on y a, faut qu'on prenne, à partir de parler comme ça avec le monde qui sous l'IA. C'est même bagaille là, sous question de migration internationale, sous question de racisme, par rapport à la question de droit des travailleurs en République dominicaine. Mais sinon, pas protéger les travailleurs pas nous, ici, comment y a fait protéger eux de l'autre côté? Si on arrête un Dominicain là, je dis, nous-mêmes ici, là, demain, à gagner un monde dans l'ambassade dominicaine, qui vient paraître pour demander nouvelles, pour parler avec lui. Ces mêmes gens, tous, ils sont bahaméens. Et l'ambassade Bahamas l'a venu, l'a demandé information. Haïti, on met tout haïtien, pas de monde qui pose des questions sur ça. Nous, pas y a un peu de temps, puisque nous avons rendez-vous à 8 heures, mais on a fini avec dernière question, ça, pour capable élaborer et finir avec lui. Un peu dans jeune garçon, avec une jeune femme qui quittait le pays, jeudi là, pour aller soit en République dominicaine ou bien dans l'autre pays, c'est pour aller chercher la vie meilleure. Et avec chapeau qu'on gagne, comme connaisseur dans les affaires sport, et également homme d'État, Marimando, dans quel niveau qu'on peut c'est l'industrie ça qui c'est sport l'État capable aider nous réduire délinquance juvénile créer travail empêcher en pile jeune garçon avec jeune femme quitter pays pour aller humilier dans de l'autre pays action dans groupe premier club moins ou bien le moi était entraîneur sélection olympique ou bien directeur technique national. Les compter, mais c'est prise en charge collective là. Nos bouquets propres, nos bouquets trop faciles n'a fait sport. Une fois de plus, on a exprimé regret moins que proposition de loi sous sport que moi fait que qui déposé dans le secrétariat Sénat et qui bénéficiait de assises. Tant à Port-au-Prince qu'au Cap-Haïtien.